Customise un ballon de basket. On va au magasin de sport, mais c'est pour le dessin, c'est pas pour le sport. Elle est bizarre la texture là. Ok. Oh, encore un Roborock. Tu devrais essayer de custom une voiture. Vous allez voir le bolide. Je comprends pas, il était là. Là, voilà, regardez cette beauté. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Imaginez tout ce qu'on peut faire dessus. On va la mettre là. Notre petit robot favori. Je vais clean ta maison à vie. Le sponsor de notre vidéo Roborock avec ce modèle S7 Plus. C'est un robot qui se déplace en scannant toute ta maison. Regardez quelle vitesse il scanne. Je trouve ça impressionnant. Il clean tout, les poussières, les liquides martiens, et il rentre seul à la maison pour se faire lui-même aspirer son sac par sa propre station. Roborock, il m'apporte le matériel. Merci, il est adorable. Je le commande pas du tout avec son application. J'ai envie de le doodliser, mais avant un bloc pour m'entraîner. 1. Le ballon. Je vais proposer 3 éléments qu'on va répéter à l'infini sur notre ballon. La pastèque, œuf de Yoshi, et Yoshi. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec. Le Roborock. Cette fois, j'aimerais lui donner une thématique colorée et aquatique. J'ai pensé à des coquillages, des escargots de mer. Je trouve que c'est intéressant comme texture, on peut s'amuser avec, et ça reste simple à réaliser pour du doodle. Une baleine, je trouve qu'il n'y a pas plus majestueux en mer, comme ça fait un élément bleu qui va prendre de la place, et une pieuvre. Là aussi on va s'éclater à jouer avec les tentacules et les autres éléments du dessin, là faut remplir tout ça quand même. Parfait, en ce moment je joue à Smash Bros, du coup je suis un peu dans le mood. La Lambo. J'adorerais qu'elle soit custo Mario. La plante carnivore, c'est un basique, on peut tellement faire du délire avec, je peux l'imaginer mordre un élément, envoyer des boules de feu. Un petit fantôme, Bou, pareil, c'est quelque chose en doodle qui est assez simple à faire, c'est un personnage très mignon. Évidemment, les boules de feu pourront prendre une certaine place sur la voiture. Puis si l'envie me prend, je rajouterai des trucs. Le ballon de basket. Vous avez choisi en story sur Instagram, la pastèque. Je vais donc pas mal fruiter ce ballon. La partie chair est en rouge. Faut s'habituer à la matière du ballon. Un fil jaune que je vais dégrader vers le bas. Voilà, j'y vais comme ça. Hop. Ensuite, un poil au-dessus. Je place du vert clair. Et un vert plus intense qui arrive à cheval vers la zone de la surface de la peau de la pastèque. Les pépins, j'en parsème quelques-uns. Petit ancrage, et c'est parfait. On peut se permettre de lui mettre 2 petits yeux étonnés, on n'a qu'à dire. Bon, c'est une pastèque, elle est facilement étonnée. Yoshi arrive direct coller sa langue dessus. C'est pas très poli, et j'aurais fait pareil. Lui, je vais vraiment le gloutoniser dans cette custo, et on va le voir avec sa langue pendouillée partout. Je m'occuperai des détails du dessin plus tard, on s'occupe d'abord de la forme. Hop, sa petite carapace sur le dos. Je trouve que les couleurs Posca se marient bien avec l'univers Mario. C'est un hasard, mais ça marche bien. Je trouve ça ultra satisfaisant de remplir les petites zones comme ça. Mamma mia! J'ajoute une deuxième couleur verte plus foncée. De Yoshi à Yoshi, le dessin avance. Voici le ballon de basket. Tego. Pastèque. Hello! Suivant, Roborock. Et le boss ultime du robot d'entretien, y'a aucun doute. La légende raconte qu'il se retient d'aspirer le monde. Si ça vous dit, un petit monde marin sur ce robot. Commençons par son centre. Un poulpe géant qui aura pour base de tête cette partie qui scanne toute la pièce. C'est plus simple quand c'est une surface noire d'utiliser du blanc. L'idée c'est de faire aller les petits poulpes, les escargots, les baleines dans la même direction. Tous vont tournoyer autour de notre poulpe géant. Ça donne une sorte de danse aquatique, un ballet obscur, pour faire joli. Plus on refait ces personnages, et plus il nous semble simple de les faire rapidement. C'est un peu la base du dessin. La couleur. Du violet pour le méga poulpe et ses tentacules. J'appuie sur le marqueur qui est un marqueur à pompe. On appuie bien pour faire sortir l'encre plus vite. Et je me sers du liquide de trop pour l'étendre. En fait, ça multiplie par 4 la vitesse de coloration. On a quand même des dizaines de personnages à remplir, autant accélérer. Mon autre robot S7 Pro Max m'apporte ce dont j'ai besoin. Petit regard de côté pour faire penser à leur déplacement parfois un peu en biais. J'adore cette couleur bubble. «
Les baleines, je trouve ça super stylé à dessiner. Donc, on va leur ajouter un bleu ciel qui va ressortir avec le rose violet juste avant. Ok. L'étape qui suit maintenant sont les couleurs secondaires. Les baleines, par exemple, on va les mettre en valeur en créant des nuances sur leur corps. Donc j'essaie de faire quelque chose qui est contournant, comme un tourbillon. Je cherche un effet assez simple, mais quand même graphique, tournoyant. Une fois l'étape des baleines faite, même schéma pour les tentacules et les poulpes, on part sur une couleur secondaire plus foncée. Ok, ça sent déjà plus le poisson là. Le gros poulpe, je lui réserve davantage de relief. L'idée c'est déjà d'assombrir les bords des tentacules, d'étaler un peu ça, puis d'éclaircir le centre de la tête. Voilà, une fois que c'est comme ça, j'arrive avec mes points lumineux que j'écrase, j'en case pas mal ici en dégradé, ça donne un aspect mouillé qu'on peut répéter aussi sur les tentacules. On dit un tentacule. Ok, je rehausse un peu l'ancrage blanc tout autour, qui s'est un peu gâché pendant la coloration. Et franchement, est-ce qu'il vous plaît? Bon, il est toujours aussi efficace, même repeint. Il y a une serpillière VibraRise. En fait, il y a une technologie qui permet un nettoyage juste avec de l'eau, des ultrasons qui vont décoller, il évite les obstacles, il se surélève. Quand il détecte des tapis, ça c'est très pratique, il galère pas. Il tombe pas dans le vide, même moi parfois je tombe dans le vide, mais lui non. Personnellement, le mien il me fait gagner un temps fou. Chaque fois que je pars faire les courses, je l'allume. Les aspis classiques, ils m'ont toujours fait galérer. Si vous avez cliqué pour la miniature, vous êtes peut-être là pour ça. Je vais custom ce véhicule. On va vraiment rester dans l'esprit Mario. Une Lamborghini Huracan, verte pauvre. Plante carnivore, base rouge. J'attends que ça sèche. Une fois que je repasse par-dessus, c'est clean. Pour les flammes, je commence par le centre avec du blanc, du jaune, de l'orange, puis du rouge, que j'étends un peu vers l'auteur de cette boule de feu. Je compte beaucoup sur vous pour mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Même si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça peut vraiment beaucoup aider, même pour le référencement, pour la motivation évidemment. Je commence à étaler des masses de couleurs. Sans croquis, puis je le remplis. J'ajouterai ensuite les superpositions de couleurs par-dessus. Puis, il y a les autres personnages qui arrivent. Le contour noir, je m'en occupe à la fin. Deux plantes carnivores qui se roulent une pelle, ou qui se font un croc. À voir ce que votre imagination dit. Tuto tête de Bowser. J'adore ce personnage graphiquement. Une bosse claire comme base. Dessous, je trace une masse beige. Avec les zones menton et les zones joues. On remplit. Je monte un peu cette base pour le futur nez. Les petites cornes avec une base marron. Une jolie touffe de cheveux rouge ou orange. Deux yeux bien pointus sur les côtés. Voilà. Bon, les sourcils un peu énervés, c'est Bowser quoi. Bouche, nez, l'intérieur des yeux, des nuances sur les cheveux, ça c'est cool. Et l'intérieur de la bouche, donc j'assombris un peu le fond, la glotte, et je lui cale 4 belles dents. On reprend la suite après. On peut caler une carapace rouge aussi, le truc hyper chiant dans Mario Kart là. Bon, là, ça sera un cube point d'interrogation. Alors, il y a des choses qui n'étaient pas dans le brouillon, mais ça sert à rien de se tenir à l'idée de base si elle évolue. Moi, je prends du plaisir à ajouter des éléments comme ça. Les petits yeux de boue. Partout. Les bouches. Et leur petite langue. Bon, là, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Ensuite, avec un rouge plus foncé, j'ajoute de la profondeur sur nos plantes. Des nuances vertes sous les yeux, les zones profondes. Puis, c'est parti pour les contours. Mine de rien, le doodle, c'est cool, mais c'est lent, faut être patient. Notre Lambo, elle a bien changé, je trouve, j'espère qu'elle vous plaît.
Si ça vous tente, proposez un autre objet à Custo pour un épisode 3 de cette série. Je sélectionnerai deux commentaires. N'oubliez pas le petit pouce. Si t'as aimé, bien sûr, merci. Pour le robot, vous avez tout le week-end pour profiter du Black Week, Black Friday. Donc les promotions vont jusqu'à moins 40% sur certains appareils. Le S7, c'est 120€ de baisse, 300€ de rabais pour le Pro Ultra. C'est le moment de checker en description. Bon dessin la team, à très vite, et que vos crayons soient libres comme l'art.